Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 13, il est 11h06 déjà. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps d'ouvrir le vlog plus tôt parce que j'ai eu une copine au téléphone pendant un petit moment. Ensuite, j'étais en train d'échanger avec une autre copine sur Instagram, on est en train de se faire des vocaux. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire grand chose au final ce matin. J'ai à peine eu le temps de ranger mon lave-vaisselle, il faut que je fasse des machines. Je lance des machines et j'ai même pas eu le temps de faire mon ménage donc j'ai passé un petit coup de tinéco. Ça va bientôt être l'heure des enfants. Ouais. Et il faut que je fasse à manger, mais je ne sais pas quoi. Je ne suis pas du tout inspirée. Hier, on était à une compétition de judo pour Nono. Donc c'est sa première qui participait. Et franchement, ça s'est super bien passé. Franchement, Nono, il se défend très très bien. Parce que du coup, quand en fait il est à l'entraînement, quand il est au judo, on peut jamais aller le voir. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le visu de comment il est, comment il se comporte, comment il se défend, tout ça. Et c'est vrai que de là, de pouvoir le voir, etc., avec les autres, comment il se défend, là, je me suis dit, mais franchement, il se défend pas mal, il est vif et tout, il se laisse pas faire, donc c'est cool. Il a rapporté une petite médaille. Je vous montrerai tout à l'heure quand il rentre, c'est lui qui va vous la présenter vu qu'il est tout fier d'avoir apporté la médaille. Donc il est tout content, je l'ai mis dans la chambre et tout accroché, voilà. Donc on a passé une bonne petite après, en plus il faisait super beau hier, vraiment un temps magnifique. C'est simple, quand je suis retournée dans la voiture après le judo là, donc ça s'est passé de 13h à 16h. Quand on est rentré dans la voiture, la température ça affichait 27 degrés. Bon, j'étais en plein soleil. Après, quand je roulais et tout, c'était 23 degrés. Mais 23 degrés quoi, il faisait super bon hier, hein. Franchement, on a un temps magnifique. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même. Il fait couvert, bon, il fait pas froid, mais il fait couvert, il fait gris. Bon, voilà, c'est pas du tout la même qu'hier. Et voilà, j'ai rien de prévu. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de rattrapage à faire au niveau du boulot. D'ailleurs, j'aurais voulu commencer ce matin, mais du coup, j'ai pas pu. Donc, il faut que je m'y mette. Ouais, il faut que je m'y mette. Je me suis lissé les cheveux, voilà, pour une fois de nouveau, là. J'avais pas envie de me faire mes boucles. Il faut vraiment, vraiment que je. Mes mèches, c'est plus possible. Regardez-moi ça, là, la repousse. Je sais pas si vous pouvez voir la différence, là. Enfin, bref, on la voit bien. On la voit bien en racine, là. Là, on voit bien que la mèche, elle commence là. Voilà. Ben, c'est simple, hein, ça fait. Alors, attendez que je cherche. Ça a fait un an en septembre que j'ai plus fait de mèche. Un an en septembre, donc ben, ça fait presque ouais, un an et demi. Voilà, ça fait un an et demi que j'ai plus fait de mèche dans mes cheveux. Hein. Pour vous dire à quel point mes cheveux ne poussent pas au final, hein, parce qu'en un an et demi. Mes cheveux ont poussé que de ça. Voilà. Non, mais pour vous dire que vraiment, chez moi, ils poussent vraiment pas mes cheveux. Hein? Donc, bon, bref. Allez, je vais faire tout ce qu'il faut que je fasse et je reviens. Je viens d'aller voir la boîte aux lettres. J'ai reçu un petit colis de la part de AC Shine. Donc, c'est un petit site internet avec plein de bijoux. Et je vous en avais déjà présenté précédemment. La bague cœur. Que d'ailleurs vous me demandez souvent d'où elle vient de ce site AC Shine, je vous mettrai tout en barre d'infos évidemment, mais vraiment la bague celle-ci elle est vraiment trop trop jolie et vous me demandez souvent d'où elle vient. Si vous entendez les bruits, c'est Nikki qui fait la fofolle. Et ouais, vous me demandez souvent d'où elle vient. Le collier que j'ai là également, il est trop trop beau aussi. Et en fait, depuis que je l'ai reçu, je le porte quoi, je l'enlève pas dans la douche. Pareil pour la bague et tout. Oui, les enfants sont ici, je suis allée les chercher. Et donc du coup, bah, je voulais vous présenter les petites nouveautés qu'elle m'a envoyées. J'adore parce que les bijoux sont toujours super jolis, je trouve. Donc il y a cette paire de boucles d'oreilles. En fait, ça fait un effet de plusieurs boucles d'oreilles, vous voyez. Je les trouve trop jolies, moi. Elles sont belles, hein? Ouais, avec les petites étoiles ouais, et les petites billes. Elles sont vraiment toutes jolies, là. Donc, je vais les mettre à la place de celles que j'ai là parce que j'en ai un peu marre en fait des créoles là, mais elle va me les donner. je vais te les donner. Donc ouais, je vais les mettre tout à l'heure. Ensuite, une petite bague. Alors les bagues sur son site sont toutes réglables. C'est ça qui est bien. Donc, j'ai choisi celle-ci.
C'est une bague en fait qui fait un effet de plusieurs rangs aussi. Et pareil, hein, elle est réglable ici, vous voyez. Vous pouvez la desserrer ou la resserrer comme vous voulez. Et donc, je la trouve vraiment trop jolie. Ouais. Une là, une là. Bon, pour pas vous faire le doigt, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Elles sont vraiment super jolies. Elles sont en acier inoxydable. Donc du coup, n'ayez crainte pour tout ce qui est changement de couleur, etc. Ça ne changera pas de couleur. Vous pouvez les passer sous l'eau. Il n'y a aucun souci. Moi, la bague, je l'enlève jamais. Le collier, c'est pareil. Je l'enlève jamais. Je le passe sous la douche, etc. Ça ne bouge pas. Ouais, j'aime bien les colliers, moi. Et le dernier petit bijou que j'ai choisi, c'est un bracelet. Il est comme ceci. En plus, ça, c'est quoi, maman, le truc qui est ici? On dirait un petit trèfle. Ou une croix. Ouais. Et donc pareil, hein, il est réglable au niveau de la taille. Vous voyez, il y a plusieurs tailles pour... On peut les mettre aussi pour les petits. Parce que moi, je viens de le mettre. Ah ouais? Oui. Donc voilà, pour les motifs, il y a des petits strass comme ça, des petites croix comme ça, hop. Voilà. Vraiment, je vous laisserai aller voir le site. N'hésitez pas à regarder, à dérouler la barre d'infos. Je vais voir avec Anne-Claire si je peux encore vous mettre un petit code promo, si ça vous intéresse. Comme ça, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. D'ici là, je verrai avec elle si je peux vous glisser un petit code promo pour commander. Vraiment, les bijoux sont top parce qu'ils sont très abordables et surtout, ils sont de bonne qualité. Donc voilà, si vous êtes intéressé par des bijoux, n'hésitez pas. Ce site est vraiment très très bien. Bon voilà, du coup, je les ai mises. Elles sont vraiment trop jolies. Ça fait vraiment un effet... de plusieurs trous en fait, je trouve. J'adore, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je les trouve vraiment très sympas, et les boucles d'oreilles. Avec maman, t'es trop jolie avec. Oh, c'est gentil, ma poupée. Avec une boucle d'oreille à droite et une boucle d'oreille devant, je trouve belle. Avec du rose et ton pantalon bleu et tes nouvelles boucles d'oreilles, je te trouve belle. Elle me fait des compliments parce qu'elle croit qu'elle va pouvoir manger ça avant le repas. Mais donc vous voyez, elle passe. Je vais pas manger avant le repas. Je vais manger tout de suite parce que et je vais les manger dedans. Bah non, parce qu'on mange pas ça avant le repas. Je vais quand même manger. Ah non 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 non. Oui non, parce que ça c'est la reine Aria pour ça. C'est d'essayer de manger des petits goûters, des gâteaux avant, juste avant le repas. Mais genre en plus même pas 10 minutes hein. Avant le repas, parce qu'il est 11h47, je vous ai pas dit l'heure. Mais je viens de les chercher à l'école. Et elle croit qu'elle va manger ça. Non, alors tu l'ouvres pas déjà. Hein, c'est pas parce que. C'est pas parce que je parle. Non, non, tu vas montrer ta médaille. Yeah, petit poulet, il a eu sa médaille. Bravo, petit poulet. J'aurais expliqué que t'étais bon hier. Attends. Je vais l'ouvrir dedans. Bravo, petit poulet. Et voilà du coup pour le petit bracelet. Il est vraiment trop trop beau. J'adore. J'en ai pas des bracelets, comment dire, souples comme ça. J'ai que des, vous savez, des joncs en règle générale. Mais là, je me dis qu'un bracelet souple comme ça, ça pourrait être pas mal aussi. Alors là, il est midi 19. On mange très simple ce midi, spaghetti. Steak haché avec une tranche de chèvre, de fromage de chèvre sur le dessus. J'ai fait revenir aussi des oignons à l'intérieur et j'ai mis un fond de vin rouge pour faire un petit jus manière, que ce soit pas trop sec. Voilà, vin voilà. Rouge. Ouais, du vin rouge. C'est super bon avec la viande steak haché. Voilà. On se retrouve dans la voiture, là, il est 13h36, je viens de déposer les enfants à l'école. Oui, c'est moi qui les dépose cet après-midi. Non, c'est toujours David qui les dépose l'après-midi vu qu'il est à la maison. Sauf que là, il faut que je cherche Evan au collège. Il termine à 14h lundi. Une semaine sur deux, c'est 15h. Et après, c'est 14h. Donc, il faut que je le cherche. J'avais pas trop envie de sortir là. Mais bon. De 14h jusqu'à 17h30, ça fait long. Hein, rester, attendre le bus, tout ça. Donc. Nolan, il était tout fier parce qu'en fait, ce matin, il voulait emmener sa médaille à l'école. Et en fait, il a complètement oublié au dernier moment vu que j'étais pas en avance en plus ce matin. Et là, du coup, il le portait autour du cou, quoi. Il était tout fier de pouvoir l'amener à l'école pour le montrer aux copains, tout ça. Voilà. Il était tout fier. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends là. Il est 17h déjà. David est allé chercher les enfants à l'école à 16h30, mais il est toujours pas revenu. Donc, je pense qu'il doit discuter avec quelqu'un. Du coup, là, je vais me faire un petit goûter. Je suis allée... Entre-temps, oui, je suis passée chez Kiabi vite fait.
racheter un maillot de bain pour Aria. Je vais pris ça. C'est un deux pièces comme ça. Ils ont les nouvelles collections là, et printemps-été. Dont ce maillot de bain, je trouve vraiment sympa. Les couleurs et tout. Les motifs. Et vraiment mignon. C'était 12 euros ça. J'ai pris une petite pince aussi comme ça, pailletée. Comme ça là. On va voir si ça tient dans ses cheveux parce que Aria, en fait, les pinces croco, ça lui tient pas dans les cheveux. Elle a les cheveux tellement fins que ça lui tient pas. Donc on va voir si là ça lui tient, on verra. Et je suis passée à la boulangerie Ange. J'ai pris des baguettes, vous savez, le lot de 4 avec des chocolatines. Et j'ai pris également, alors j'ai demandé si ça se faisait ou pas, je savais pas si ça se faisait, de la pâte à pizza. Et en fait, oui, ils en font. Du coup, j'en ai acheté 3 comme ça. C'est des pâtes de 500 grammes. Et j'en ai acheté 3 parce que du coup, ce soir, on va faire pizza. Donc je les ai là, je les ai mis au frigo en attendant. Et ouais, du coup, ce soir, on va se faire pizza. Et là, je vais me manger une petite chocolatine avec un petit jus. Et voilà, j'attends qu'ils rentrent pour qu'ils prennent leur goûter aussi. Bon, alors il est 18h44, on joue les pizzas à YOLO avec monsieur ce soir. Vous voyez, il est en train de préparer à couper, enfin il coupe le... chèvre. Attendez, je vais vous montrer ce qu'on a préparé. Il coupe le chèvre. Ouais, donc du coup là il y a le chèvre, parce qu'on va faire une chèvre miel. Là il y a du miel, ensuite on va faire... Donc on a sorti le fromage, les petites tomates cerises. Là, on a encore du fromage de chèvre, la crème, les olives noires. Ça, c'est les tranches de chèvre. Ouais, tranches de chèvre. C'est pas pareil. Tu veux l'utiliser? Bah écoute, je peux en rajouter un petit peu. Y'a pas besoin, si on a ça, ça rien de... Bah ouais, mais ça, enfin on verra. Et donc là, il me restait des pommes de terre grenaille que j'avais fait. Donc on va les mettre aussi, on va les couper, on va les mettre dessus. Voilà. Et là, je suis en train de faire décongeler du poulet. Du poulet, donc je vais faire d'abord revenir le poulet dans une poêle avec du curry. J'ai aussi une boîte d'ananas, et vous savez ma passion pour les pizzas hawaïennes. Donc ananas et poulet, et on va commencer à étaler la pâte là sur les... En fait, vous savez, j'avais acheté ça, c'était des fonds de pizza, et vous avez une plaque en fait pour les mettre au-dessus. Donc du coup voilà, je vais déjà étaler la pâte dessus. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h24, on a mis du temps aujourd'hui à aller se coucher, mais les pizzas ont mis du temps à cuire. Mais par contre, elles étaient super bonnes et je pense
que dorénavant, on ne... Alors déjà, j'avais du mal à acheter les pâtes à pizza, vous savez, à enrouler là dans les commerces. C'est pas mon truc, j'ai jamais vraiment aimé ça. Vraiment en cas d'extrême urgence, en cas de dépannage de ouf. Mais autrement, j'essaye de la faire moi-même, mais c'est vrai que c'est hyper long, enfin voilà. Donc là, le fait de l'avoir acheté à la boulangerie, franchement, c'est super bon. Par contre, ce que je ferais, parce que là, elles étaient quand même vachement épaisses, hein. Bon, moi, j'aime bien la pâte épaisse. Ça, c'est pareil, il y a deux teams. Il y a la pâte fine et pâte épaisse. Moi, je suis team pâte épaisse. J'adore ça. Mais par contre, elles étaient énormes. Elles étaient super épaisses. Là, c'était vraiment... voilà, c'était... Et puis, c'était long à cuire, du coup, puisqu'elles étaient vachement épaisses. Donc, ce que je ferais, en fait, avec le pâton, c'est de le diviser en deux. Et de faire deux pizzas avec un pâton. Je pense que ça suffira largement. Et voilà, au moins j'en achèterai pas trois, mais franchement ça vaut le coup parce que au final je sais pas combien ça m'est revenu les pâtes, parce que elle m'a facturé le prix d'une, parce qu'en fait elle savait pas comment faire sur la caisse pour facturer la pâte, donc elle a demandé à sa collègue et sa collègue lui a répondu tu factures trois baguettes pour les pâtes. Donc en fait j'ai payé le prix d'une baguette pour une pâte, et si une pâte ça peut faire deux pizzas, le prix de la baguette c'est quoi, 95 centimes je pense. Je sais pas, je sais même pas combien j'ai payé les baguettes. Parce que vu qu'il y a toujours des offres, vous savez, chez Ange là 3 plus 1 gratuit, je sais pas où au final combien on paye de la baguette. Bref, ça doit valoir 95 centimes ou peut-être 1 euro, je sais pas. Donc 1 euro ou 95 centimes pour deux pâtes à pizza, franchement c'est... vachement économique. Quand tu sais qu'une pâte à pizza dans le commerce, qu'est-ce qu'il y a, Nono? Et donc je disais, c'est vachement économique quand on voit que dans le commerce, je sais pas, ça doit valoir quoi, je sais pas, 2,10€, ou je sais même pas combien ça vaut dans le commerce les pâtes à pizza. Oui, donc je disais, parce que j'ai été coupée, je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Oui, non, parce que les garçons ne veulent pas dormir ce soir. C'est très compliqué ce soir. Ils n'ont pas envie de dormir. Ils se relèvent 10 fois. Voilà, c'est le soir comme ça. Toi-même, tu sais. Mets un pouce vers le haut si tu sais ce que c'est. Quand ils se relèvent 10 fois et que tu leur dis 10 fois d'aller se coucher parce que c'est l'heure. Et qu'ils ne veulent pas comprendre, tu vois. Enfin, il y a tempête dehors. Tempête de pluie. Alors, ils avaient annoncé... beaucoup de pluie, des orages, tout ça, mais là, ça... Tempête de fou, hein, dehors, là. Donc, le temps, franchement, mais il est complètement déréglé, quoi. C'est un truc de dingue. Hier, on avait un temps de printemps. Là, aujourd'hui, pluie à donf. Enfin, bref. Voilà. Bon, bah, autrement, j'espère quand même que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain.